Cela et mon amour pour vous durera autant que toute ma vie. Valère, tous les hommes disent la même chose. Mais attendez avant de me juger, laissez-moi vous prouver l'honnêteté de mon amour. Comme on se laisse persuader facilement par les personnes que l'on aime. Mais je sais bien au fond que vous m'aimez vraiment. Je me souviens du moment épouvantable lorsque nous nous sommes rencontrés. Votre immense bravoure, vous avez risqué votre vie pour sauver la mienne. Vos soins pleins de tendresse après m'avoir tiré de l'eau. Votre choix de jouer au domestique auprès de mon père pour vous rapprocher de moi. Tout cela est assez pour me convaincre de votre engagement. Mais ce n'est peut-être pas assez pour convaincre les autres. Si je le peux, comme je l'espère, retrouver mes parents n'auront pas de difficulté à les convaincre. J'en attends des nouvelles bientôt. Valère, tentez aussi par tous les moyens de vous faire apprécier de mon père. Et vous voyez comment je m'y prends. Et tous les jours, je joue un personnage sympathique à ses yeux pour lui plaire, justement. Je fais comme lui, je dis comme lui, je vante ses défauts et je les applaudis. On peut tout faire avaler si on l'assaisonne de flatterie. Pardonnez-moi, chère Élise, mais vous savez qu'avec votre père, on ne peut pas faire autrement. Tâchez aussi de gagner l'appui de mon frère. Certainement, mais il est difficile de gagner la confiance de deux personnes si différentes. Au cas de votre côté, servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour qu'il partage nos intérêts. Il vient, je me retire. Oh, je suis content de vous trouver seule, ma sœur. J'ai un secret à vous annoncer. Allez-y, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais je sais que je dépends d'un père et qu'un fils se doit de se soumettre à sa volonté. Je sais qu'un père se trompe moins que nous, qu'il sait mieux que nous ce qui nous convient, qu'il faudrait plutôt croire sa sagesse que l'aveuglement de notre passion. Mais mon amour ne veut rien entendre. Vous êtes-vous engagé avec celle que vous aimez? Non, mais je compte bien le faire. Et n'essayez pas de m'en empêcher. Vous n'aimez pas, vous. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur mon cœur. Vous êtes sage, vous. Mon frère, si je vous ouvre mon cœur, peut-être que vous me trouverez bien moins sage que vous. Ah oui? Vous aussi? Mais finissons votre affaire. Qui est celle que vous aimez? Une jeune personne qui vit depuis peu dans le quartier et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. Elle se nomme Marianne et vit avec sa mère qui est presque toujours malade. Elle la sert, la console avec une telle tendresse. Elle est douce, bonne, honnête, adorable. Oh, ma sœur, si vous pouviez la voir. J'en vois beaucoup à ce que vous dites, mais pour savoir ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimiez. Dernièrement, j'ai découvert qu'elles étaient peu fortunées. Vous comprenez ma peine de ne pas pouvoir les aider à cause de la maudite avarice des pères qui ne nous donnent rien. J'ai voulu vous en parler pour que vous m'aidiez à convaincre notre père à propos de mes sentiments. S'il s'y oppose, je compte partir ailleurs avec cette aimable personne. Je tente de trouver l'argent emprunté. Et
Si vos affaires sont semblables aux miennes, si notre père s'oppose à nos sentiments, nous le quitterons tous les deux et serons enfin libérés de son avarice insupportable. Va-t'en, j'ai dit! Je l'entends crier. Éloignons-nous pour finir nos confidences. Par la suite, nous joindrons nos forces pour attaquer sa dureté. Sors d'ici tout de suite! Oh! Détale de chez moi, gibier de potard! Je n'ai jamais vu si méchant que ce maudit vieillard! Et je crois bien qu'il a le diable au corps! Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? Tu me demandes pourquoi? Sors avant que je t'assomme! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes! Mon maître, votre fils, m'a donné l'ordre de l'attendre ici! Alors va l'attendre dehors! Et cesse d'être dans ma maison à observer ce qui se passe! Je ne veux pas d'espion qui guette toutes mes actions et qui furette partout pour voir si rien ne valait! Mais comment voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Vous cachez tout et surveillez jour et nuit! Je cache ce que je veux et je surveille comme il me plaît. J'ai peur qu'il se doute de quelque chose au sujet de mon argent. Ne serais-tu pas du genre à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquine, je ne dis pas cela! Oh, j'enrage! Je demande seulement si tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire, que vous en ayez ou pas, si c'est pour nous la même chose? Tu fais la fine! Je te battrai pour cette finesse! Sors d'ici encore une fois! Eh bien, je sors! Attends! Tu n'emportes rien? Que pourrais-je emporter? Viens ici que je vois! Montre-moi tes mains! Les voilà! Les autres! Les autres? Oui! Les voilà! Ah. N'as-tu rien mis ailleurs? Voyez-vous-même! Ce genre de culotte peut facilement cacher ce qu'on dérobe. Oh, cet homme! Comme j'aimerais le voler! Qu'est-ce que tu parles de voler? Oh, je dis que vous fouillez bien partout pour être sûr que je ne vous ai rien volé. C'est ce que je veux faire. Que l'avarice et les avaricieux soient maudits. Que dis-tu? Je dis que l'avarice et les avaricieux soient maudits. De qui veux-tu parler? Croyez-vous que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai d'être insolente, tais-toi! Je ne nomme personne! Je te battrai si tu parles! Qu'il se sent morveux, qu'il se mouche! Je te tue! Oui! Viens malgré moi! Tenez, voilà d'autres poches. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans que je te fouille. Quoi? Ce que tu m'as pris. Mais je ne vous ai rien pris. Assurément? Assurément. Alors va-t'en tous les diables. Voilà bien congédié. Oh, voilà une servante bien embarrassante. Ah! Oh, c'est compliqué de garder chez soi une grande somme d'argent. De trouver dans toute une maison une bonne cachette. Je ne me fie pas au coffre-fort, c'est la première chose que les voleurs vont attaquer. Mais je ne sais pas si j'ai bien fait d'enterrer dans mon jardin 10 000 $. 10 000 $ chez soi est une somme assez... Oh, mon Dieu! J'ai failli me trahir moi-même en parlant tout haut! Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous venons d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Ce que je viens de dire! Non. Ah, parfait! C'est que je me disais à moi-même qu'il est difficile aujourd'hui de trouver l'argent et qu'il serait heureux d'avoir chez soi 10 000 $. Je vous dis cela pour éviter que vous compreniez de travers et que vous pensiez que c'est moi qui ai 10 000 $. Ah! 10 000 $! Oh! Comme ce serait une bonne chose pour moi! Oh! Et j'en aurais bien besoin! Je ne me plaindrai pas comme je le fais, les temps sont difficiles! Ah, mais mon père, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de fortune. Comment j'ai assez de fortune? Ceux qui le disent ont bien menti. Mon Dieu, mon père, ne vous mettez pas en colère. Des discours comme ceux-ci et des penses que vous faites font en sorte qu'un jour on viendra me couper la gorge en pensant que je suis cousu d'or. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle? Mais vous avez de luxe qui vous donne l'air d'un prince.
Pour aller si vêtu, il faut bien que vous me voliez. Moi? Vous voler? Non, mon père. C'est que je joue et comme je suis chanceux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Cela est mal fait. Si vous êtes chanceux au jeu, vous devriez plutôt placer cet argent et en faire de l'intérêt. Enfin, que me disent ces gestes-là? Nous hésitons, mon frère et moi. À qui parlera le premier? Nous avons tous les deux quelque chose à vous dire. Et j'ai moi aussi quelque chose à vous dire à tous les deux. C'est de mariage, mon père, dont nous voulons vous parler. Ah, et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Oh, mon père! Pourquoi ce cri? De quoi avez-vous peur? Le mariage peut nous faire peur à tous les deux, car nous ne sommes pas sûrs que nos désirs soient d'accord avec votre choix. Oh, ne vous alarmez pas. Je sais ce qu'il vous faut à tous les deux, et vous n'aurez ni un ni l'autre à vous plaindre. Mais pour commencer, connaissez-vous une jeune personne appelée Marianne qui habite non loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai entendu parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette jeune fille? Une fort charmante personne. Son air, sa manière? Honnête, plein d'esprit, admirable. Oui. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela serait un parti souhaitable? Oh, très souhaitable. Oui. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Ah! Il y a un petit problème. C'est que j'ai peur qu'elle n'ait pas la fortune qu'on pourrait espérer. Oh, mais mon père, la fortune n'est rien quand il est question d'épouser une bonne personne. On peut toujours tâcher de regagner cette fortune sur autre chose. Enfin, je suis content de vous savoir en accord avec ma décision, car cette jeune personne m'a séduit et je suis décidé de l'épouser, pourvu que j'y trouve un peu de fortune. Vous êtes décidé d'épouser Marianne? Qui? Vous? Vous? Oui, moi! 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 Je ne me sens pas bien. Je me retire. Voilà un jeune fluet qui n'a pas plus de vigueur qu'une poule. Donc, ma fille, c'est ce que j'ai décidé pour moi. Quant à ton frère, je lui réserve une veuve dont on est venu me parler ce matin. Et pour toi, je te donne à monsieur Anselme. À monsieur Anselme? Oui! Un homme doux, prudent et sage et qui n'a pas plus d'une cinquantaine d'années et dont tout le monde parle en bien. Je ne veux pas me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, je veux que vous vous mariez, ma fille, s'il vous plaît. J'aime bien monsieur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai pas. Je vous aime bien, ma fille, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non. Oui. Non, je vous dis. Oui, je vous dis. Vous ne pouvez pas m'y obliger. Je peux t'y obliger. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras pas et tu l'épouseras. Oh! Mais voyez quelle audace! On n'a jamais vu une fille parler de cette façon à son père. On n'a jamais vu un père marier sa fille d'une telle façon. Voilà, Valère! Veux-tu qu'on le fasse juge de cette affaire? Oui, je le veux. Tu te rendras son jugement? Oui, je serai d'accord avec ce qu'il dira. Très bien. Valère, nous t'avons élu pour dire qui a raison, de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur. Mais sais-tu de quoi nous parlons? Non, mais vous ne sauriez avoir tant. Ah, je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit au nez qu'elle ne veut pas le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis... Quoi? Je suis d'accord avec vous. Mais aussi qu'elle n'a pas tout à fait tant. Comment? Monsieur Anselme est un homme doux, riche et très fortuné. Saurait-elle mieux trouver? Cela est vrai. Il pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses. C'est une occasion qu'il faut prendre au passage. En plus, il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Je ne dis plus rien. Voilà une raison tout à fait convaincante. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément. Il est vrai que votre fille pourrait vous dire que le mariage est une chose plus grande qu'on peut le croire, qu'il est question d'être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort doit être fait avec précaution. Sans dot! Vous avez raison! Voilà qui décide tout! Il est vrai que les gens pourraient dire que la grande
grande différence d'âge ainsi que l'absence de sentiments pourraient conduire à des accidents fâcheux. Ça? Ah! Il n'y a pas de réplique à cela! Non, il est vrai qu'il existe des pères qui préféraient satisfaire leur fille plutôt que d'épargner de l'argent. Ça gueule! Voilà qui vient de la bouche! Ça en botte! Comment résister à une raison comme celle-là? Il me semble que j'entends du bruit dans le jardin. Est-ce qu'on en voudrait mon argent? Oh! Un instant! Je vais revenir vous parler! Tout de suite! Vous mettez-vous au valeur de lui parler comme vous le faites? Mais c'est pour ne pas le fâcher, pour mieux en venir à bout. Le contredire serait la meilleure façon de tout gâcher. Faites semblant d'être d'accord avec lui, vous en viendrez mieux à vos fins. Mais ce mariage, Valère... On trouvera des façons de l'empêcher! Quelle émotion de trouver! Il doit avoir lieu dès ce soir! Il faut demander un délai, imaginez une maladie! Mais on découvrira le mensonge si on appelle les médecins! Allons, Élise, connaissent-ils quelque chose, les médecins? Avec eux, vous pouvez avoir un mal imaginaire et vous trouveront des raisons pour vous dire d'où il vient. Enfin, le dernier recours sera la fuite qui nous mettra à l'abri de tout. Oh, ce n'est rien, Dieu merci! Oui! Il faut qu'une fille obéisse à son père! Il ne faut pas qu'elle regarde comment le mari est fait. Et lorsque la raison de sang dot apparaît, une fille doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne! Bon, bien parlé! Oh. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et que je lui parle comme je le fais. Comment? J'en suis ravi! Et je veux que tu gardes le contrôle sur elle. Je lui donne la même autorité que j'ai sur toi. Et je m'attends à ce que tu fasses tout ce qu'il te dira. Faites-moi confiance. Je vais la suivre pour poursuivre mes leçons et lui tenir la bride bien haute. Je crois que je vais en venir à bout. Bon. Parfait. Je m'en vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. Oh oui! L'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Lorsqu'on offre de prendre une fille sans dot, on ne réplique pas! Ah, le brave garçon! Que je suis heureux d'avoir un domestique comme lui!